Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour que sa femme lui quitte jamais? La fidélité déjà. Ça va? Bien, merci et vous? Ok. Oui, ça va. Vous appelez comment? Zoé. Zoé. Samia. Samia. Vous venez d'où là? Paris, Paris plein centre. Ah ouais. Paris. Ça fait quoi de beau sur cette clé aujourd'hui là? Là tout de suite. On était venu se voir et puis on se promène et. Ça se passe bien? Il fait pas trop chaud là? Non, aujourd'hui ça va, mais il y a beaucoup de monde et encore on est en vacances donc ça va, mais. Ça profite bien, j'espère. Ouais. D'accord. Dites-moi, moi c'est Barry, j'ai une question très simple pour vous. Qu'est-ce qu'un homme peut faire, doit faire pour que sa femme lui quitte jamais? Toujours respecter ses choix, ouais. Absolument. Être beaucoup à l'écoute, beaucoup dans la communication, globalement. Ouais. Et essayer au maximum, à mon avis, de répartir les tâches. D'accord. D'être responsable dans un couple. Et vous, mademoiselle? Pour moi, je pense qu'il faut laisser sa place à l'autre, à son existence et à ses choix, comme a dit Zoé. Ouais. Et être honnête. D'accord. Voilà. Et les gars, vous avez entendu ce qu'ils nous ont sorti, d'accord? Donc soyez sincères, honnêtes, tout ça, tranquille, à l'écoute. Vous êtes en couple sinon? T'es en couple? Non, moi je suis plutôt homosexuelle. D'accord. Et vos collègues aussi? Moi je suis en couple depuis un an. D'accord. Ah ouais, félicitations. D'accord, c'est ça, ça va? Ça va, merci. Ça va, merci. Tranquille, t'appelles comment? Moi c'est Johara. Moi c'est Maëlys. Moi c'est Barry, venez d'où? D'Annecy, Genève. Genève, ah là là, tu fais quoi de beau sur Paris là? Bah, on va emménager par ici. Donc, Ça veut dire que tu préfères Paris que Genève? Pas du tout. Ah ouais? Parce que t'as pas le choix ou c'est comment? Non, parce qu'il y a des écoles bien dans le monde entier qu'il faut essayer partout. Ah ouais, ouais, d'accord. T'es en couple ou célibataire? Je suis en couple. En couple. Du coup, tu vas déménager avec ton gars là? Non, mais il va venir souvent me voir. Ah ouais? Inch'Allah. D'accord. Et toi, t'es pas en couple toi? Non, moi je suis pas en couple. T'attends quoi? Écoute, je profite, hein, je profite. Là, elle dit, elle est les bails, capote, elle t'a balancé. Hein. Dites-moi les filles, moi j'ai une question très simple pour vous. Mm-hmm. Pour que ton gars, tu lui quittes jamais, qu'est-ce qu'il doit faire? Le respect, la fidélité, exact. Et le prendre en considération l'autre, écouter, ouais. Et savoir se remettre en question. Elle rigole. Parlons-en. Elle rigole là. Voilà, allez, dis-nous toi aussi. Voilà. Non, pareil, c'est le respect, la fidélité, je trouve, c'est les points les plus importants. Ouais. La communication, enfin voilà, oui, ces choses-là. Mais s'il est respecté, il est beau, il t'aime bien, mais il n'est pas fidèle. Ça ah passe. Ben, ciao. 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 Allez, salut. Très tardé. Moi, j'ai un chemin à faire. Next, c'est bon. D'accord. Et si, par exemple, il n'est pas respectueux, mais il t'est fidèle, il t'aime bien encore, ça passe. Ah, qu'il n'est pas respectueux, ouais. Non. Donc, faut que tout non, va les deux ensemble, sinon. Ah ouais. Et on sait ce qu'on veut, hein. Les meufs là, elles disent ce qu'elles veulent, hein. Et les gars. Et dommage, elle est en couple. Ouais. Sinon, là, si vous l'ajoutez là sur Insta, elle va vous chauffer la tête là. Vous êtes plutôt jalouse à fond ou ça va? Ben, tant que la relation de confiance elle s'installe et que je sais que j'ai pas trop de soucis à me faire, après mon mec il est beau donc je sais qu'il plaît, tu vois. Donc là, tu me mets fait, t'as installé des caméras partout sur lui. Ouais, t'inquiète. Bien sûr, surtout que si. Eh hey, gros, regarde tes vestes. Eh hey, gros, chaque fois que tu sors, regarde tes vestes s'il n'y a pas une petite caméra cassée, je sais pas quoi là, parce qu'elle est capable de te piéger, tout ça là. Et toi là, t'attends quoi? Il faut se mettre en couple là. Non, mais moi ça va, j'étais en couple avant pendant longtemps et maintenant c'est fini donc je profite. T'as arrêté pourquoi? T'as trompé? Non, ça allait très bien, mais c'était fini quoi, c'était la fin d'une. J'ai jamais entendu des trucs comme ça, tout allait bien mais on a arrêté. Non, mais non, il y avait des histoires. Hein. Tranquille. Ça va? T'appelles comment? Cilia. Cilia. Anna. Anna, vous venez d'où là? Paris. D'accord, dites-moi, j'ai une question très simple pour vous. Pour que ton gars, tu lui quittes jamais, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour que lui me quitte. Pour que tu le quittes jamais, toi. Genre, moi, je le quitte jamais. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être carré. Carré, comment? Genre. Genre, il va avoir une meuf, je le défonce. Ah ouais, défonce direct. Ouais. Que ça. Ouais. Non, mais genre, après, tu vois, faut qu'il soit sérieux. Ouais, sérieux. C'est-à-dire. Ouais. Si moi je suis. Chinois, genre. Bah voilà. Chinois. Ah, là. Elle, elle dit. Que je dégage. Donc, si par exemple, il est beau, il t'aime.
Mais il n'est pas trop fidèle. Ça non. Passe. Ouais, non, ça passe pas. Ça peut le rendre moche. Ah ouais. Ça le rend moche. Et s'il est pas respecté, mais il est fidèle, tout ça, mais il te respecte pas toujours. Comment ça, il respecte pas? T'insultes, tu parles mal. Ça va pas ou quoi? Ça dégage. Jamais de la vie. Je vois ça vous fait. Moi, il me parle mal. Une tarte. Allez, balaise. Pas deux. Mais s'il est balèze. Je m'en fous. Il va te balayer, lui. Ah, je m'en fous. Ah ouais, c'est pas un homme alors s'il frappe une femme, c'est pas un homme. Ah, donc les hommes, ça. Un homme qui frappe une femme, c'est pas un homme. Voilà. D'accord. Et les gars, regardez là, si vous voulez l'ajouter sur Insta, vous voulez laisser votre blague là? Non. Vas-y, laisse ton blague. Vas-y, je donne. Vas-y. Donne ton blague. C'est Anna Gringer. Et toi? Moi, Cécilia, S-I-L-Y-A avec plein de A. Vous allez voir une photo de bébé. Ah là là, des photos de bébé. Pourquoi t'as mis une photo de bébé? C'est la mienne, c'est ma tête. C'est quand t'étais bébé? On dirait que je suis foncée sur la photo, ça me fait rire. Vas-y, je te remercie beaucoup. Salut, ça va? Oui, et toi? Tranquille. T'appelles comment? Ambre. Elisa. Elisa, vous venez d'où? Sud. Alors ça fait quoi de beau sur Châtelet aujourd'hui là tout ça? Bah là on faisait les boutiques. Les boutiques, d'accord. Dites-moi, t'es en couple ou célibataire? En couple. En couple. Célibataire. Célibataire. Pourquoi tu fais pas comme ta pote? Les gars ou c'est quoi le problème? C'est que c'est pas vraiment mon délire. C'est pas ton délire, hein. T'as envie de te poser, tranquille? Non, c'est... Seul on est bien. D'accord. Dites-moi les filles. Toi qui es en couple là, qu'est-ce que ton gars doit faire pour que tu le quittes jamais? Pour que je le quitte jamais? Ouais. Alors là... Genre s'il a fait une connerie ou quoi? Donc il faut pas qu'il fasse des conneries tout non. Ça? Non. Il n'y a que ça. Ça veut dire qu'il peut tromper, il peut être pas gentil. Ah non, il ne trompe pas. Non? Non. Il te trompe pas? Non. Et donc pour le moment tout va bien, il ne trompe pas? Non. Mais s'il trompe par exemple, tu vas le quitter, on est d'accord? Oui. Voilà, donc ça veut dire... C'est quelque chose qu'il ne doit pas faire, tromper. Ouais. Et quoi encore? Il doit être comment? Drôle, sympa, je sais ouais. Pas. Ouais. Et toi? Qu'est-ce que ton gars il doit faire le jour que tu serais en couple? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu le quittes jamais? Être sur la même longueur d'onde. Moi je veux qu'il t'emmène en voyage. Qu'il t'amène en voyage? Ouais. Ah là là, hey, gros, si tu vois la vidéo, amène-la à Dubaï, je sais pas, New York, partout. Tu veux un aller où comme voyage? Tu veux voyager un où? Un truc romantique. Ah ouais? Ouais. Tu veux voyager où par exemple si tu avais l'opportunité? Je sais pas, je dirais Venise. Ah ouais? C'est là où les couples y vont. Ah là là, et toi? Aux Bahamas. Ah là là, il y a des rêves ici là. J'espère que vous allez aller visiter tous vos rêves là, comme ça c'est carré. Ça va et toi? Tranquille, t'appelles comment? Afsa et toi? Afsa, moi c'est Barry, dis-moi, tu fais quoi de beau sur Châtelet? Ben, je vais capter quelqu'un. D'accord. Là, dis-moi, est-ce que tu vas me répondre à ma question? Ouais, si tu d'accord. Veux. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour que sa femme lui quitte jamais? Ben, la fidélité déjà. La fidélité, ben, pour commencer. Ben, faut qu'il, déjà qu'il charbonne, parce qu'il y a des gars en mode... ben, il y a des gars en mode, ils charbonnent pour une meuf, et quand ouais. Ils l'ont, ben, ils se relâchent. Ah. Tu vois le délire? Ben, Afsa. Faut qu'il charbonne, c'est-à-dire qu'il travaille pour avoir des sous ou qu'il charbonne comment? Non, qu'il charbonne pour elle. Ah en ouais. Mode, c'est pas, je l'ai, c'est bon, ouais. Je m'en bats les couilles, ah tu ouais. Vois, c'est ça. Donc, il n'y a que ça, sinon ouais, après, toi et le mec, s'il est tranquille comme ça, il charbonne et qu'il est ouais, fidèle. Ouais, je pense que c'est tout. Calme, tu vas jamais ouais. Le quitter. Ouais, c'est tout. Ok, d'accord. Bastien. Oui, ça va et vous? Tranquille. Ça va. Vous vous appelez comment là? Moi, je m'appelle Lou. Lou. Et Katia. Vous venez d'où là? Moi de Clichy. Clichy. De Nanterre. Faites quoi de beau sur Châtelet là? Bah je vais acheter des claquettes moi. Claquettes? Toi tu viens jusque là pour des claquettes là? T'es sérieuse là? D'accord. Dites-moi, moi c'est Barry, j'ai une question très simple pour toi. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour que sa femme lui quitte jamais? Bah être fidèle. Fidèle, seulement ça? Bah j'ai pas compris la question. Qu'est-ce que ton homme, oui. Ton mec doit faire pour que tu lui quittes jamais? Bah rester fidèle avec lui. Seulement, seulement fidèle, seulement qu'il soit fidèle. Bah le respecter, l'aimer, bah oui. Et toi? Pareil, être loyal, fidèle, voilà. Respectueux. Ah là là, il sort tout là. Donc ça veut dire, s'il est fidèle par exemple, mais il respecte pas, il te respecte pas, ça passe pas. Bah non, logiquement ça, oui. Mais il est beau gosse tout ça. Bah ouais. Même s'il est beau gosse, il te respecte ouais, pas. Ouais, même s'il est beau gosse. Et là t'es en couple ouais, là? Quoi? Là non. Là t'es pas en couple là? Non. Et toi? Non. Ah, elle te dit, t'es malade, d'abord on n'a pas capté. Ça veut dire, le beau gosse, tu ne le laisses pas? Tu ne le laisses pas s'il est beau gosse, mais il ne te respecte pas? Non. Mais bah tu restes avec lui, même s'il ne te respecte pas, tu es beau gosse? Ouais, ça y est, je le tège. Ah. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va bien et toi? Tranquille, t'appelles comment? Je m'appelle Sarah. Salma. Salma, venez d'où là?
On vient du 7-8. 7-8. 7-8. Ah là là, vous êtes beaucoup à s'atteler, 7-8 là. Ah, j'aimais bien s'atteler, 7-8. D'accord, dites-moi les filles, moi c'est Barry, j'ai une question très simple pour vous. Oui. Qu'est-ce que ton gars doit faire pour que tu lui quittes jamais? Qu'il soit gentil, respectueux. Ouais. Respectueux, drôle. Drôle. Ouais. Beau gosse, tout ça, ça va? Beau gosse, normal. Ouais, c'est normal. Il est plus fidèle. Il est plus fidèle. Fidèle, respectueux, respectueux. Et s'il te respecte, mais il n'est pas fidèle, ça passe? Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Donc il faut qu'il soit beau gosse, respectueux, drôle, drôle, fidèle. Fidèle, pour que tu lui quittes jamais. Tu serais toujours là, quel qu'en soit le problème. Ouais, toujours. Et là, t'es en couple là? Non. Et vous attendez quoi? Bah, j'attends de grandir. Grandir? Oui, moi je suis trop petite là encore. C'est quand tu vas grandir là? Parce que là. Bah, quand je serai majeure, Inch'Allah. Tu t'es jamais mis en couple? Si. Si? Alors, pourquoi t'as pas attendu là-bas là? Parce que j'ai été bête, j'étais petite. Yeah, là, tu commences, tu viens me dire que là, tu commences à réfléchir. N'importe quoi. C'est des erreurs. Ouais.